Ouais. Voilà, cette fois-ci, on se retrouve en direct, normalement dans de meilleures conditions que tout à l'heure pour le départ du 400 mètres des dames. Avec dans cette course, eh bien, pas une seule femme qui a terminé sur le podium de Rio. Shaun Emiller, qui est clairement la numéro 1 cette saison sur la distance, n'est pas au départ de cette course. Et ce sont Stephanie Anne McPherson, la Jamaïcaine, et l'Américaine Natasha Hastings qui sont les favorites de cette course. Stephanie McPherson qui est en tête, mais qui est en train d'être totalement remontée là par Kemi Adekoya. Et Kemi Adekoya qui va s'imposer. Elle est en train de craquer complètement, Stephanie Anne McPherson. Ouais, c'est Natasha Hastings. Le début de retransmission difficile. Natasha Hastings, effectivement, l'Américaine, et non pas Kemi Adekoya. Natasha Hastings, la quatrième de Rio, qui a été la plus rapide dans le relais américain et qui s'impose donc dans ce 400 mètres ici, dans un temps relativement moyen pour elle, 50-06. Natasha Hastings qui, sur la fin, est parvenue à prendre le meilleur sur Stephanie Anne McPherson. Et Natasha Hastings qui va faire une très très bonne opération au niveau de la Ligue de Diamants, puisqu'elle elle passe devant Anne McPherson avec 28 points désormais. Et va menacer lors de la finale les 30 points de Shaun Emiller. On va reprendre notre souffle et repartir de zéro maintenant que les conditions de retransmission sont meilleures.